T'as-tu applaudi? Le matin que les tours ont tombé, as-tu applaudi? Non. Voyons, le symbole resplendissant du narcissisme occidental s'écroule, se transforme en poussière, en cendres. T'as applaudi. Tu sais que je n'ai pas applaudi. T'aurais pu applaudir, j'étais au travail. Je te gage que tu t'es fendu à la gueule. Je connais pas cette expression. Tu vis dans mon pays, apprends ma langue. C'est très laid ce que tu viens de me dire, Mercier. Ah, tu ris. J'ai fait ce que tous les autres ont fait. Quoi? T'as dansé? Comme les autres de ta religion, là, qui ont envie de danser? Je suis demeurée assise devant la télévision. J'ai pas dit un mot, je pouvais pas. Certaine? Je ne me suis pas fondue la gueule. Mon cœur s'est brisé. Des inconnus meurent, mais ton cœur s'est brisé. Oui. Et après les avoir vus tomber, et tomber encore et encore, je savais ce qui se passerait. Mon cœur s'est brisé deux fois. Une fois pour eux et une fois pour moi, parce que je savais que quelqu'un me blâmerait. Je pensais pas que ce serait toi. Les terroristes? Je sais pas. Les terroristes. Je leur pardonne. Tu leur pardonnes? La plupart sont des enfants. Tordus par des vieillards qui en ont fait des êtres que leur mère ne reconnaîtrait pas dans une rue déserte. Tu le pardonnes? Je pardonne aux enfants qui ont été élevés et nourris au lait de la haine et de la peur. Je pardonne aux enfants qui ont été élevés avec la promesse, le mensonge de la gloire à venir. Je pardonne aux enfants à qui on a volé leur enfance et qui à 19, à 20, à 23 ans ont des âmes de scorpion. Tu le pardonnes? Je ne pardonne pas aux vieillards qui enseignent. Je ne pardonne pas aux femmes qui célèbrent. Je pardonne à personne, sauf aux enfants. Tu le pardonnes? Il aurait mieux valu qu'ils soient morts-nés. Rabbi Samahli. Il aurait mieux valu que leur mère les étrangle de leurs propres mains, que leur père les enterre dans des tombes anonymes sans les pleurer. Je pardonne aux enfants. Oui. Vous voyez les gars? Vous voyez ce que je voyais? J'ai tort. De nos jours, si je dis une chose pareille, si je crois une chose pareille, est-ce que je deviens l'ennemi? J'ai tort ou est-ce que je suis aveugle?